Dans un bon repas, tout est histoire de température. Celle des assiettes, bien sûr, mais question degré, la chaleur humaine rend tout de suite les petits plats beaucoup plus savoureux. C'est délicieux, ah, c'est vraiment délicieux. On apprécie, puis la convivialité surtout. C'est les fêtes d'être ensemble, c'est bien. Pourtant, s'asseoir autour de la même table n'est pas mince affaire. Et il faut parfois déployer des trésors de persuasion pour amener les solitaires à pousser la porte. Associations, travailleurs sociaux, tout le monde s'y est mis. C'est mon assistant social qui m'a proposé de venir à cette fête. J'ai hésité à venir, je l'avoue. Pourquoi ? Mais j'en suis très heureux. Parce que je connaissais personne et voilà, c'est toujours dur de franchir le pas. Il y a vraiment tout un travail de fond sur le reste de l'année. Mais par contre, comme on les connaît, qu'on les voit sur des ateliers, sur des temps de sortie, et qu'on travaille vraiment ensemble, c'est plus facile de les amener ici à un jour comme aujourd'hui que de sortir de nulle part. Pour la première fois cette année, aux personnes âgées et âmes seules se sont joints les familles. Un temps de détente que les petits apprécient d'autant plus que les grands restent entre eux. Ouais, j'avoue, c'est très bien. On peut être tranquille et s'amuser bien. On mange des petits gâteaux, on colorie, on s'amuse avec les ballons, et voilà. Rien d'extraordinaire et pourtant, pour la majorité des convives, ce sera sans doute la seule occasion de faire la fête. Alors ils profitent et vous envoient leurs meilleurs vœux.